Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Je fais une surprise au Carpe Diem. Carpe Diem Family, je mettrai le lien en dessous en description, avec la sœur de Nadia, Sandrine. On s'est eu au téléphone ce matin et puis on s'est dit, bon, allez, ça te dirait, on va leur faire une surprise. Donc, ils sont à Chantosso. Et puis, on va faire quelques visites, j'espère. Les Folies-Sifay, j'aimerais bien aller voir les Folies-Sifay. On va essayer de passer devant le château de Louis de Funès. On va aller voir, j'espère aussi, la Tour d'Oudon. Alors, et puis, voilà, voilà, bonne vidéo, générique. Charles. Là-dedans. Alors en fait, ils faisaient la sieste, les Carpe Diem. On voit Enzo là, il est à l'intérieur. Hé, salut Enzo. Je sais pas si on voit grand chose. Bon, on est bien là, Chantosso. Écoute, il y a des jeux à côté. Apparemment, il y a un super panorama. Je crois qu'on va visiter tout ça demain là, parce que ça a l'air super. En fait, je suis un peu en... comment dire, en repérage, parce que un air où il y a des jeux juste à côté, et ben ça c'est pour les voyages d'Auguste, pour les filles ça va être terrible. Ouais, très très bien. Et voilà, apéro dans Auguste. Donc bah, vous connaissez hein, les Carpe Diem Family. Hop, Stéphane, Nadia, et c'est quoi le Sandrine, la sœur de Nadia, je sais plus le nom de ta chaîne, enfin bon, c'est pas grave. Et le neveu et la mère et le fils. Et Enzo, voilà, donc bienvenue dans Auguste, hein. C'est la première fois que voilà, c'est ce que tu disais. Il est trop spacieux, ouais, il est bien. Hein. Ah oui. Voilà. Je sais pas combien de temps je vais le garder, on verra. Ouais, bah moi aussi, ouais. J'irai bien voir les montagnes cet hiver, ouais, avec les filles, avec bien. Les petites. Et les anciens comme ça, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, au moins c'est solide. Quoi. Arrêtez d'acheter des nouveaux, là, ça sert à rien. Exactement. Bon, allez, nous on prend l'apéro et puis on se retrouve demain. On se retrouve demain pour des petites. Il y a des super trucs à voir. Allez, bye. Il est pas mal ton camping-car alors. Ouais. Hein, top. Il est kiff. Il est kiffant. C'est un quoi, un Challenger? Ouais, Challenger Mageo 378 XLV. Alright. Ah ouais, puis t'as la petite boule sur le volant, oui, là, qui va bien. Hop, ouais, sur les ronds-points, c'est nickel. Oui, parce qu'il fait 7,47 m. 7,47 m, ah oui, ouais, il est bien grand. Pour tourner bon, et tout, c'est quand même plus facile. On va le visiter tout à l'heure. Bon bah malheureusement les Folies-Sifay sont fermées, c'est en travaux, 13 millions d'euros quand même pour tout refaire, je bafouille. Donc du coup on s'est arrêté et puis on va vous montrer ça vu d'en haut, à tout de suite. Voilà les tourbillons là qu'on voit là. En fait ici là faut pas se baigner. Parce qu'en fait les petits tourbillons là comme ça, ça vous entraîne au fond de la Loire.
et vous ressortez à Bouguenay ou au Pélin. C'est sûr et certain. Jamais se baigner dans la Loire. C'est un peu sale. Hein. Il y a le chenal, hein, qui est bien dessiné. Ah, on voit la tour de Don au fond. Et la ligne SNCF qui est là, le TGV. Nantes-Paris. C'est beau, hein. Il y a un espèce de courant quand même. C'est impressionnant. C'est sympa, quoi. Il n'y a pas de jet pour cela. Ouais, donc sympa la sortie. C'est comment ton prénom? Jordan. Salut Jordan. Salut. Et ouais, sympa cette sortie en jet. En hiver, ouais. Ça permet de faire sortir un peu les machines. Vous êtes allé à Ancenis, par là-bas, quoi? Aujourd'hui, pas trop. On est resté dans le coin. C'était histoire de les sortir vu qu'il fait pas très chaud. Mais sinon, en général, on repart vers Ancenis ou de l'autre côté à Mauves. Il y a un air spécial de vitesse et de bouée, etc. Ah ouais, carrément. Super. Ici, c'est limité, alors c'est vraiment pour la balade, tranquille. Et ouais, donc gilet obligatoire. Gilet obligatoire, c'est le... Parce que si tu tombes en Loire, vas-y, explique aux internautes. Il y a des courants partout, donc on peut vite être aspiré et finir, je sais pas où. C'est ce que je disais juste avant, en fait. Bah, tu finis au pèlerin, voilà. Quoi. Tu ressors au pèlerin, mort. Et par règle générale, même sans parler de courant ou autre, c'est du bon sens, en fait, du jet ski ou du pèlerin, gilet. Et d'autant plus là avec l'eau qui est vraiment froide. Si on tombe dans l'eau, on peut faire comme un malaise ou autre et on remonte. Ah bah c'est sûr, tu fais une crise cardiaque. Il faut aussi des gants qui soient chauds, spécialement pour l'eau, des bottes. Chevaux. C'est juste pour enlever l'eau qui est cassé. C'est qu'on est propulseur, d'accord. Excellent. Bon bah sympa les mecs, merci hein. Ouais. Et puis bah bonne continuation. Peut-être qu'on se verra, je sais pas où, dans le golf. On vient souvent par là, nous. Bah des fois ça arrive qu'on va en Bretagne aussi, mais pas en jet. Ah, pas en jet. Ouais, bah moi non plus. La dernière fois j'étais faire du bateau, du Delair 30 OD. C'est un voilier ça? Ouais, voilier de compète plus ou moins. Donc ça marche quand même pour un voilier. Ah, bah la dernière fois on a pété le code zéro là, la voile. Ah oui. Avec le pote. Ah, puis il faut l'expérience avec la voile, c'est pas. Ah, bah attends, on gitait, je montre, on était comme ça quoi. Tous de l'autre côté? Ouais, j'ai failli me casser la gueule du bateau et tout. Enfin, heureusement. Faut être serein aussi en voilier. Ouais, carrément. Ça va pas être facile. Bon, allez, à plus tard, bah merci les gars. Salut. Ciao. Magnifique. Ouais. C'est une carrière en fait. C'est une ancienne carrière. C'est la suite de la carrière. Oui, c'est la carrière. D'accord. La carrière du cellier. Ah ouais. On va passer devant. C'est vraiment du granit. Ça. Ah bah tiens. Monsieur, ouais. Bah, il est courageux. Hein. Ah bah vas-y papy, ouais. C'est vrai, c'est vraiment beau ici, hein. Il y a de la forêt partout. Petite pensée pour Dagil, il se reconnaîtra. Le château de Louis de Funès. Et t'as raison, hein, apparemment, ça a été. Enfin, je sais pas si c'est les enfants ou quoi, mais a priori. C'est beau, hein. Magnifique. Attends, je fais un petit zoom. Ouais, super. T'as le soleil qui donne. Superbe. Puis Louis de Funès, il avait sa roseraie privative. Donc en fait, voilà, entre deux tournages, il habitait. Et puis même pendant la retraite, il habitait ici, au Célier. Voilà, pour la petite histoire. Pas mal son châtal. À Louis, j'aime bien ce prénom Louis. Ah ouais. Pas mal. C'est 44 à Saint-Étienne de Montluc. La patronne. La patronne du camping-car. Directrice. Madame la directrice. Voilà, la tour d'Oudon.
T'es où donc? Ah, on est ce côté-là. Camping car de Sandrine, Auguste. Le camping car de Fabrice, nouveau voisin, faut aller voir sa chaîne, Fabrice Ringard. Super camping car. Et puis ça c'est pour vous les filles, si vous regardez la vidéo. Il y a les jeux qui sont vraiment juste à côté. Et puis on va aller voir plus loin. Un petit kiosque là, c'est sympa. Hein. Oula, il y a des royalistes. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est un panorama en fait. C'est magnifique. Superbe. Il fait pas très beau, mais on revient. Là, il y a un panorama, tu vois, j'aurais pu le faire décoller ici, hein, le drone. Bah bon, voilà, quoi, c'était pour vous montrer.